rapprocher de Dieu est une activité quotidienne et chaque jour de l'année représente une opportunité pour aller de l'avant et renouer le lien avec notre origine sainte. La période où nous comptons le Homer est plus particulièrement favorable à ce rapprochement avec le divin. La période de la Sfirat HaOmer, du décompte du Homer, dure 50 jours. Pendant ce laps de temps, nous crions à Dieu, chaque soir, en comptant le Homer, que nous désirons nous rapprocher un peu plus de lui. Ce soir, un pas. Demain, encore un pas. Pendant 50 jours, nous avançons à petits pas vers le Créateur. L'attente qui accompagne cette période est un élément essentiel de notre teshuvah, de notre repentir et de notre retour vers Dieu. À l'image du mari qui a causé de la peine à sa femme et qui doit attendre quelque temps avant que celle-ci accepte ses excuses, nous devons admettre de patienter avant que les portes du ciel s'ouvrent à nous. Les 50 jours qui séparent Pessah, la Pâque juive et la fête de Shavuot, le don de la Torah, fut la période qui amena le peuple juif de l'impureté presque absolue à un degré inégalé de sainteté. Sans cette attente, les esclaves juifs auraient été incapables de recevoir et de conserver la lumière divine. Lorsque nous sommes en exil, c'est que nous avons oublié Dieu. Vivant parmi les non-juifs, nous adoptons leur mode de pensée, marqué par une absence totale de la perception de la présence divine. Les fréquentant, nous devenons leurs amis. Nous nous habillons comme eux, nous parlons comme eux. Nous lisons leur littérature, nous écoutons leur musique. Même le danger est souvent identique. S'il est cachère, nous savons faire également le goût crevette, le goût bacon. Nous commençons à sortir de notre exil lorsque nous ne transgresserons plus les commandements bibliques et rabbiniques qui nous ont été donnés. Nous en sortons complètement lorsque nous commençons à réfléchir et à penser selon le mode juif. Adieu Victor Hugo, le simili crevette et le hamburger cachère. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, go it, jam and lock it, surf it, scroll it, pause it, click it, cross it, back it, switch it, fade it, name it, write it, tune it, print it, scan it, send it, touch, rename it. Bonjour à la Gemara, à la Dafina ou à la Kefiltefish, selon le cas, et aux paroles de Torah. Ce changement de fonctionnement ne peut pas s'effectuer du jour au lendemain. One more time. One more time. On ne passe pas de l'Olympique de Marseille au psaume en une semaine. Il existe même une période où l'on peut faire les deux en même temps.
je vous conseille fortement d'amener votre livre des psaumes lors de votre prochaine virée au stade Vélodrome ou au Parc des Princes. Sans blague. Like the legend of the phoenix, yeah. All ends with beginnings. Oh, it keeps the planet spinning. The force from the beginning. C'est cette attente qui est précieuse, car elle est le témoin de notre désir de nous transformer. Les personnes impatientes sont celles pour lesquelles le repentir est extrêmement difficile. C'est en attendant que nous disions à Dieu que nous l'aimons chaque jour un peu plus. Il existe un moment où l'attente, l'absence de réaction de notre part, est l'essence du repentir. Si une personne nous insulte, et que nous ne répondons pas, nous avons atteint un niveau élevé de sainteté. Cela n'est pas donné à tout le monde, mais nous pouvons essayer. Sans l'espérer, la prochaine fois qu'un malotru vous fera les gros yeux, regarde-le en souriant. Et sans rien dire, vous pouvez également penser qu'il s'agit d'un singe qui fait ses grimaces derrière sa cage. Pas de réponse tranchante de votre part, pas de geste menaçant, rien. Le calme plat, bouillez-vous à l'intérieur? Cela signifie que vous n'avez pas atteint le sommet du repentir, mais aussi, longtemps, que vous n'ouvrez pas la bouche, vous réalisez déjà un exploit. À bientôt.